Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur la chaîne YouTube, les amis, sur un jeu Monster Energy Supercross officiel vidéo de game, le numéro 5. Alors, le numéro 6 est prévu pour le 9 mars prochain, donc là, d'ici quelques jours, il va arriver. Celui-ci, le 5, était sorti le 17 mars 2022 sur PS5, PS4, Xbox One et PC, Xbox Series. Et là, du coup, on va le tester aujourd'hui sur la PS5. Avec les gâchettes de la manette PS5. Avec le retour de force, ça va être vraiment incroyable ce que j'avais vu sur internet. Et du coup, on va ressentir cette sensation dans ces gâchettes, tout simplement. Alors, on a le mode solo carrière, épreuve unique, championnat, US Open, contre-la-montre, promenade libre. Ça, c'est vraiment génial, dis donc. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est pas encore fait les amis, pour soutenir la chaîne, le petit like qui se fait super plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez tout simplement envie d'en mettre un. Puis si la vidéo vous a pas plu, hein, vous pouvez mettre un dislike, hein, y a pas de problème. Si vous avez forcément des questions, des avis et tout, j'aurai le temps de vous répondre. Y a vraiment pas de souci. J'espère qu'en tout cas cette découverte du jeu vous plaira. Du coup, on va tester le mode carrière. Alors, on a futur 3 courses, débrouillé, journal, académie future, 9 courses, 10 courses, pro. On va faire le futur, on va tester ça du coup. Alors, les commentateurs par contre sont pas en français malheureusement. Alors, en tout cas, quand vous commencez sur le jeu, du coup, vous créez votre personnage, vous choisissez votre moto et votre célébration de victoire aussi. Ça, c'est vraiment génial. Et du coup, je connais vraiment pas du tout cette licence, donc du coup, c'est vraiment une totale découverte pour moi. Du coup, dans le mode carrière, on a des arbres de compétences. D'accord, ok. Allez, à la course suivante. Compétences. On a les virages. On a un côté quand même, un petit côté RPG, c'est vraiment sympa. Améliore le braquage maximum atteignable. Ok, donc là, le contrôle de la moto, freinage, le scrub. Permet de faire des scrubs plus propres. Je sais même pas ce que c'est. Je suis très nul en motocross, donc du coup, je pourrais pas vous éclairer du tout. Ok, donc ça c'est mon pilote. Ok, bon allez, on va tester une course. Et ça c'est mon personnage. Oui, je sais, je l'ai fait vite fait. Alors, j'ai pas encore testé le jeu. Oui, c'est moi. Une Suzuki. La moto, ça rigole pas. Oh! Il y a du monde là. Ok, on est parti. Ouh, yay. Oh là là, je me suis carrément raté. Oh, on ressent carrément dans les gâchettes, hein, franchement. C'est tellement génial cette manette PS5. Pour les jeux de voiture comme les jeux de moto aussi, ça marche vraiment bien. Ouf. Alors, je veux pas trop vite. Oh, aïe 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 aïe. Ah bah carrément. J'ai chuté, je crois. Alors, je vais vraiment pas très vite. Hein. On va ralentir un peu pour mieux tourner. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Enfin, vraiment pas simple. Hein. Par contre, j'aime bien le moteur. Sur les crosses là, franchement, c'est vraiment très réaliste. Hein. Même la sensation, franchement, du gameplay est vraiment pas mal. Hein. Sincèrement, alors moi, je suis vraiment pas un expert du jeu, mais je trouve ça vraiment génial. C'est bien fait. Hein. Et sincèrement, en plus, il est propre. Hein. Sincèrement, la qualité graphisme du jeu plutôt correcte.
Alors par contre, je sais pas s'il y a du trial dans ces trucs-là, ou c'est que des courses. Je pourrais pas vous dire. Peut-être regarder un petit peu tout à l'heure. Il y a combien de tours? Je sais même pas combien il y a de tours. Temps restant, 2034. Oh 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 oh, je me suis carrément planté là. Oh. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait revenir en arrière comme Forza. Mais ça, c'est stylé ça. Oh, en gros, c'est trop bien. En fait, si on s'est planté, du coup, on peut forcément revenir en arrière, mais c'est trop bien. Oui, d'accord, ok. Ok. Je suis... hein ? On a compris. Ok, c'est bon, j'ai réussi à freiner. Ah, franchement, avec les gâchettes, c'est vraiment, vraiment génial. Ouf. Pour les personnes qui l'ont testé hein, sur la PS5, n'hésitez pas à me dire. Hein, que c'est carrément top. Alors, pour les personnes qui ont pas encore testé... sur la PS5, ils ont une PS5, bah, n'hésitez vraiment pas à tester tous les jeux de voiture, voire les jeux de moto, avec les gâchettes. Vous allez voir, franchement, c'est tellement génial. Non mais, sincèrement, c'est... En gros, on a pas de tour. Du coup, c'est un temps restant, il nous reste 1 minute 25. D'accord, ok. En fait, faut faire un meilleur temps. Ça se trouve, c'est... Ouais, faut faire peut-être un meilleur temps pour se placer au début, peut-être. Pas du tout. Bon, ce sera vraiment pas tout de suite que j'aurai un meilleur temps. Et en fait, je suis le numéro 384. J'avais même pas vu que mon t-shirt, du coup, il s'appelait Monsieur Cracotte, en fait. Cracotte, juste au-dessus. 384, Cracotte. Tu es. Avec mon nom et mon prénom juste à gauche. Tellement stylé. En tout cas, ça fait plaisir. Ok, on arrive bientôt, je pense. Il nous reste 35 secondes. Le meilleur temps, c'était 43 secondes qu'on avait fait. Dans ces cas, je testerai aussi Dirt Rally sur la PS5. Alors, je sais pas si je le possède ou pas. Faudra que je regarde Dirt Rally aussi en découverte sur la chaîne. Faudra que je regarde si je l'ai sur la PS5 pour le tester avec les gâchettes aussi. Ça pourrait être génial. Faudra que je le teste, tu vois aussi. Alors, c'est sûr que ce serait meilleur avec un volant, mais j'ai pas de volant. Donc, on va essayer d'essayer avec la manette. Déjà, ça pourrait être pas mal. Alors, deux tours jusqu'à la fin. Ok. Alors, par contre, on tourne beaucoup en rond. Mais on va dire, c'est un peu le but. Hein. On va dire. Je suis toujours en tête. Hein. Ok, j'arrive à rattraper le dernier. Ça prouve qu'il va moins vite que moi. Bon, après, j'ai mis les bottes en normal. Hein. Donc, je pense qu'il faut augmenter la difficulté. Ah oui, je les rattrape, hein. Oui, je leur mets presque un tour. Par contre, c'est vraiment bien fait. Hein. Graphiquement, le gameplay, c'est super joli. C'est vraiment, vraiment bien fait, franchement. Vas-y, je les pousse un petit peu. Poussez-vous de là. Et si je leur monte dessus, ça marche ou pas? Non, on peut pas. On peut pas mettre des coups de pied aussi? On peut pas leur mettre des coups de pied, non? On peut pas les faire tomber? Ok. Dommage. C'était tellement bien. Il y avait un jeu comme ça à l'époque, c'était Roach. On pouvait mettre des coups de poing, des coups de pied, c'était tellement excellent. C'était tellement excellent ce style de jeu. C'est dommage qu'ils n'ont jamais fait de suite. Hein. Eh bah ben, du coup j'ai gagné mon petit trophée. Non en fait il fallait juste faire ça, d'accord, ok. Mais en tout cas c'est vraiment pas trop mal. Hein. Je connaissais vraiment pas du tout cette licence. Je me suis dit tiens on va tester. Hein. Ça pourrait être vraiment sympa. Du coup le carrière, bon, on va revenir en arrière. On va voir si on peut pas lancer autre chose.
Alors, du coup, accueil. Non. On peut jouer en ligne. On peut jouer en ligne. On peut carrément créer ces circuits. Alors ça, c'est génial. Du coup, on a promenade libre. Donc, pour se promener, on a les championnats US Open. Épreuve unique. Hein, ça peut être ça. Ça peut être ça. Épreuve unique. 450. Ah. Du coup, ça, c'est les courses. Alors, on a celui-ci. Houston 1, 2, 3. Indiana, 1, 2, 3, je pense. Hein. Orlando, 1, 2, 3. Non, que 2. Daytona, ok. Oh, ça, c'est pas mal. Hein. Ok. Alors, en fait, ça, c'est que des trucs officiels. Hein. D'accord. On a quand même pas mal de courses, non? Je sais pas compter. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 17, vous avez 17 circuits officiels. Par contre, c'est que l'officiel, vous avez 17. Milestone, du coup, on en a peut-être plusieurs. On en a 3, c'est déjà mieux que rien. Complexe, ah, ça, c'est, ça va être bien, ça. Ça, ça va être bien. On a quand même pas mal. On a quand même pas mal. Après, on peut personnaliser, donc du coup, on peut créer ces circuits. Donc ça, c'est vraiment, ça prolonge, on va dire, le jeu. De pouvoir créer ces circuits. Par contre, il n'y a pas de trial. Hein. Je sais pas s'il y a du trial dedans. Je pense pas. Je pense que c'est que des courses. Je pense que c'est que des courses, du coup. Mais dommage. Hein. Mais en tout cas, après, pour les personnes qui aiment bien ce style de jeu, en tout cas, ça peut être vraiment cool. Hein. On va tester celui-ci pour le fin de la vidéo. Et puis, je pense qu'après, on s'arrêtera là pour le tour, tout simplement, du jeu. Circuit. SX4 au USA. Ça va, en plus les temps de chargement sont quand même assez rapides, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on est parti. Allez, let's go. Et en ligne, ça peut être vraiment sympa par contre de jouer à plusieurs. Je pense que c'est un peu le but, c'est de jouer en ligne. C'est vraiment bien fait, franchement. Oh. Oh, je saute dessus. Ok, il a rien pris. Ça, par contre, c'est pas trop bien fait. Dans la vraie vie, je pense que si on saute sur nos collègues... Ah bah si, on se fait éjecter. Si on saute sur nos collègues, on se fait éjecter. Vas-y. Je les tape dedans. Ça va plus vite. Ah, oh, je les grille tous, hein. Oh 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 oh. Ah oui, je pars carrément en vrille, je vais n'importe où. Je crois que c'est pas un peu le... C'est pas le délire d'aller n'importe où. Aïe. Ok, on va passer par là. Mais ouais, au final, c'est vraiment pas trop mal, hein, pour les personnes qui aiment bien ce style de jeu. Alors je pense qu'en solo, ça peut être cool, mais après je pense que c'est le côté online qui va être vraiment cool, et pouvoir créer ces circuits, ça c'est vraiment génial. Pouvoir créer ces circuits dans les jeux qu'on aime, ça c'est vraiment top. Hein. Vraiment. Mais en tout cas, je connaissais vraiment pas cette série du jeu, tout simplement. Je connaissais vraiment pas du tout, parce qu'il y en avait déjà eu 5. Et c'est le 5e aujourd'hui que je teste sur la chaîne YouTube. Et je trouve ça vraiment correct, hein. Vraiment. Alors je sais pas si c'est le premier qui était sorti sur PS5, je pourrais pas vous dire, parce que j'ai pas confirmé la chose. Mais en tout cas, le prochain arrive le 9 mars, mois-ci, le 6. Donc pour les personnes qui attendent le 6, alors je pourrais pas vous dire s'il sera meilleur ou pas, aucune idée. Je sais pas si on pourra le tester non plus sur la chaîne, je ne pense pas. Mais en tout cas, si vous aimez ce style de jeu, attendez voir la nouvelle vidéo du 6, hein, voir le gameplay qui sortira forcément, pour vous faire une opinion, tout simplement. Question graphisme, question de circuit, s'il y en a plus, si il y a du côté trial, si on peut créer encore plus nos circuits, s'il y a plus de championnats, plus de cups, bref, vous avez compris. Attendez voir par rapport à ça au 6. Par contre, si ça change vraiment pas
par rapport au 6, il n'y a pas grand chose d'amélioration par rapport au 5, bah prenez plutôt le 5. Le 5, vous pouvez le trouver franchement aujourd'hui dans les 19€. Donc il est vraiment pas très très cher. Il est sorti l'année dernière, hein, il est sorti en 2022, mais vous pouvez le trouver dans les 19€ aujourd'hui, même sur PS5. Oui, sur PS5, il y a des jeux vraiment, on peut trouver vraiment pas très cher maintenant. J'avais trouvé la dernière fois le jeu de chasse à 10€, hein, et oui, 10€ le jeu de chasse, donc il y a vraiment moyen de trouver des jeux PS5 vraiment pas très cher. Il suffit de trouver les bons plans sur internet, et vraiment il y a moyen de trouver les jeux en démat, hein, tout simplement, ou en disque. Mais souvent en disque, c'est vraiment les moins chers, souvent, ça arrive souvent qu'on tombe sur des prix vraiment pas très chers. Donc voilà, sinon sur PS5, je pourrais pas vous conseiller autrement pour les acheter. Sur le store en démat, bah, à part les promos, sinon je trouve que c'est souvent cher, malheureusement. Comme Xbox, hein, les stores sont chers, à part quand c'est tombé en promotion. C'est pour ça, vaut mieux passer par Instant Gaming dans ma description si vous voulez soutenir la chaîne. Si vous êtes sur PC ou Xbox, que vous avez tous les jeux Xbox presque en démat sur Instant Gaming, hein, vous allez dans ma description de ma chaîne YouTube, vous allez voir le lien, ça soutiendra en cliquant dessus, en achetant un truc, tout simplement. Vous verrez qu'il y a vraiment pas mal de jeux Xbox. Vous pouvez aussi avoir des jeux DS, oui, c'est ça, des jeux de Switch, et tous les jeux vraiment PC, vraiment pas très chers, vraiment pas. En ce moment, il y a Forest 2 pour les personnes qui sont intéressées. Je crois qu'il est vraiment pas très cher. Alors, je sais plus s'il est en rupture de stock ou pas. En même temps que je tourne la vidéo, il était exactement vers les 21€. Donc, c'est pas négligeable pour les personnes qui attendaient ce jeu. Donc, voilà. Mais si vous, d'un côté, c'est vraiment plutôt cool ce jeu. C'est sympa. Avoir en ligne, commencer à plusieurs, ça pourrait être vraiment sympa. Même plutôt cool en fait. Hop. En tout cas, sur la manette PS5, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Tous les jeux comme ça. Alors, du coup, ce mois-ci, vous aurez Resident Evil Remake. Donc, je tiens encore à le signaler. Je crois qu'il y a une démo qui sortira avant le jeu. Donc, du coup, on fera la démo et on fera une découverte de Resident Evil Remake. Et on verra si la demande est forte pour faire une deuxième vidéo sur la chaîne YouTube sur Resident Evil. Voir si j'ai le temps, bien sûr, c'est vraiment pas sûr que je vous le fasse en let's play. Je vous avais fait Hogwarts Legacy. Il y a eu pas mal de vidéos. Vous avez suivi les premières vidéos, mais je crois pas que vous avez suivi entièrement le jeu. Parce qu'il y avait trop de parties, malheureusement. Je pense que ça vous a peut-être gonflé d'avoir trop de parties sur ce jeu. Je sais pas du tout, hein. Mais je préfère pas mettre plein de parties dans les jeux. Je préfère faire des découvertes, c'est plutôt simple, plutôt rapide. Et puis je peux vous conseiller des fois des jeux qui pourraient être vraiment pas mal à faire. Qui est pas très cher. Donc Resident Evil, je pense pas le faire en let's play, je vous avoue. Le seul, ça sera Dead Island, comme je vous ai dit. Et Diablo, hein, Diablo forcément, Diablo au mois de juin, parce que c'est les gagnants du sondage dans la communauté sur la chaîne YouTube, les amis. Vous avez fait un sondage de Final Fantasy, de Street Fighter, Dead Island 2, Star Wars. Et du coup, vous étiez presque plus de 60 personnes à avoir voté tout simplement pour Dead Island 2 et Diablo 4. Donc du coup, il y aura Dead Island pour un let's play pour le mois d'avril, et au mois de juin, à partir du 6 juin, il y aura Diablo 4 sur la chaîne YouTube. En attendant, il y aura les démos qui vont forcément arriver, parce que je fais des démos maintenant, c'est nouveau, je fais des découvertes, des gameplays, des let's play. Donc ça, c'est un peu le nouveau format, c'est les démos que je fais maintenant sur la chaîne. Quand je vous dis démos, hein, c'est souvent des vidéos d'essai, hein, souvent. C'est des versions d'essai. Donc là, vous aurez en démo ce mois-ci, vous aurez Resident Evil 4 Remake. Après, vous aurez la découverte de Resident Evil 4. Je pense que je vais vous faire quand même une grosse découverte, 1h30, 1h40, facile, et vous dire si le jeu vaut vraiment le coup de l'acheter à ce prix-là. De mon avis, en même temps, je donnerai mon avis à la fin de la vidéo sur la découverte de Resident Evil Remake pour les personnes qui sont susceptible de l'acheter ou pas, hein, voir si les personnes attendent mon avis, je vous dirai ce que j'en pense. Il y aura aussi la bêta de Diablo 4, donc du coup je vais forcément vous faire un gameplay sur Diablo 4 aussi à la fin du mois. Pour les personnes qui sont tentées de jouer à Diablo 4 ce mois-ci, je vous donne tout simplement les informations, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 26
et le 28 pour toutes les plateformes confondues pour la bêta open, c'est-à-dire ouverte hein, pour tout le monde. Du 26 au 28 et la semaine juste avant, donc c'est la semaine du 20, je sais même pas exactement, je vois pas du tout, je pourrais pas vous dire. C'est 26-28, ça doit être le 22-24, je sais pas, c'est un truc comme ça. Oui, ça doit être un truc comme ça, je sais pas trop exactement. Ça sera vraiment pour les personnes qui ont précommandé Diablo 4, hein, pour les personnes qui ont déjà précommandé le jeu. Et si vous attendez d'avoir un avis un peu vous êtes pas trop chaud de l'avoir, pas trop chaud de l'acheter tout de suite, attendez la bêta ouverte pour tout le monde à partir du 26. Donc, sur PC, direction Blizzard, launcher, machin et tout, voilà. Sur PlayStation, du coup, ça sera directement sur Play. Et sur Xbox, ça sera sur Xbox. Alors, je sais pas s'il sortira sur Switch, aucune idée. Je sais pas du tout. En tout cas, il sera crossplay. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour les personnes qui attendent Diablo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout simplement votre réaction du jeu, de ce que vous en pensez de ce style de jeu de moto. Et nous, on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle découverte sur la chaîne YouTube. Bye bye à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao.